Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo on va parler du chapitre numéro 204 de My Hero Academia. Vous vous en rappelez sans doute, hein, mais on était au beau milieu d'un combat entre la classe A et la classe B, enfin, quelques élèves de la classe A contre quelques élèves de la classe B, avec en tête Shoto et Tenya pour moi, qui étaient en grande difficulté, hein, même si on voyait que Tenya là, il allait se rebeller, il allait réussir à sortir de la prison dans laquelle il était, si je puis dire, avec Mudman, je crois, qu'il avait enfermé dans un sol qui était mou et qui l'a durci ensuite. Et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Est-ce que Tenya allait réussir à renverser la vapeur? Et finalement, eh ben, ça a l'air d'être le cas, hein, puisqu'on le voit, il arrive à s'extraire de là. On a même un petit flashback dans lequel on le voit parler avec son malheureux frère, hein, qui est encore dans un fauteuil roulant, et qui lui raconte en fait une façon d'upgrader en fait sa vitesse avec le simple fait tout simplement de s'entraîner sans son pot d'échappement, ce qui va faire que à force de s'entraîner encore et encore et encore, il va avoir d'autres pots d'échappement qui vont pousser derrière lui, si je puis dire, hein, c'est un peu compliqué de dire ça, je pensais jamais sortir cette phrase de ma vie, et qui vont lui permettre d'être encore plus rapide. Et Tenya, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il l'a tout simplement fait. Et là, le résultat, il est là. Avant, il arrivait à être en vitesse de ouf-gueudin 5 secondes, maintenant, il peut l'être pendant 10 minutes, quoi. 10 minutes à pouvoir être à fond la caisse. Et je trouve ça vraiment cool parce que s'il y a un truc qui me dérange dans la plupart des shonen en général, c'est qu'on se rend pas compte du power-up des personnages. On les voit par exemple quand vous prenez Dragon Ball, ils rentrent dans la salle d'esprit du temps, ils ressortent, on leur dit vous êtes plus fort maintenant. Bon bah nous on le sent pas vraiment, hein. Pareil quand tu regardes Nanatsu no Taizai, bon des fois ils ont des techniques supplémentaires mais c'est quand même super rare. Là ils vont chez les druides, ils ressortent de chez les druides et on leur dit YOLO vous êtes plus fort qu'avant. Là dans My Hero Academia c'est sans doute un des premiers mangas que je vois où j'ai le sentiment de participer à la progression du personnage, d'avoir vraiment le sentiment qu'il y a eu un power-up et que c'est pas juste avant je tapais comme ça, maintenant je tape comme ça, mais c'est plus fort mais vous le voyez pas à l'écran. Et là vraiment, j'ai le sentiment dans ce manga, comme je l'ai dit, d'avoir de réels power-up. Et là, bah, on le voit encore, hein, avec Tenya qui visiblement s'est entraîné de longues journées durant et qui maintenant a le travail qui paye, puisque visiblement il a 3 pots d'échappement à chaque tibia, si je dis pas bêtise, enfin, à chaque mollet. Et là, je me pose une question, peut-être que vous répondrez pour moi, hein, mais de mémoire, peut-être que je suis conditionné par la phrase qui a été dite par son frère, mais j'ai le sentiment qu'avant, il n'avait que 2 séries par mollet, là. Et maintenant, visiblement, il en a 3, donc si c'est le cas, et ben, ça a vraiment poussé. Et finalement, ça va être bien utile, parce qu'il va réussir à foncer sur Mudman, même si on voit qu'il ne maîtrise pas encore tout, hein, parce qu'il dit lui-même, je ne contrôle pas encore très bien mes trajectoires à cette vitesse-là. Faut dire forcément, hein, s'il a augmenté sa vitesse de façon ouf gueudin, c'est un peu compliqué, hein. Mais de l'autre côté, Mudman, il n'a pas envie de l'affronter. Il sait qu'il n'est pas en position de force dans ces conditions-là. Il va se faire tout simplement niquer, donc il décide en fait d'utiliser un truc un petit peu chelou. On dirait en fait qu'il transforme le sol en liquide. Bon après, c'était de la glace à la base, hein, donc on pourrait dire qu'il a fait fondre, même si je crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est son pouvoir qui lui permet de faire ça. Et du coup, il se fond dedans, et il est tranquille, il ne l'affronte plus, parce qu'il sait lui-même qu'il n'est pas en position de force, qu'il n'a pas la... C'est pas un homme qui est fait pour combattre, il est là pour utiliser son alter afin de perturber l'adversaire, mais il est pas là pour coller des beignes, quoi, ça se voit trop, hein. Et là, visiblement, contre lui, eh ben, il pense qu'il a aucune chance, donc intelligemment, il décide de battre en retraite, et il va aider son pote un peu plus loin. On retourne alors sur le combat entre Ojiro et le mec qui peut se servir de ses mains comme perceuse, là, j'ai oublié son nom, là, et visiblement, Ojiro, il est un petit peu dans la galère, hein. D'ailleurs, il dit lui-même, hein, il peut pas vraiment attaquer, parce que s'il commence à taper dans le mec qui a des mains comme ça, là, eh ben il va se faire transpercer, forcément. Donc il est en situation où il ne se contente juste de défendre et d'esquiver, tout bêtement, en sachant qu'il ne peut malheureusement rien faire. Sauf que Tenya, il arrive comme une sorte de Deus Ex Machina, il tape le gars, et puis il l'emmène en prison direct en disant « Il va falloir aider Shoto, là, parce qu'il a l'air un petit peu en galère. » D'ailleurs, je sais pas si c'est un coup de bol ou pas, mais il dit que Mudman, il s'est dirigé vers lui. Ce qui est vrai, parce que quand t'écoutes, là, Mudman, à un moment donné, il le dit... Il dit « Je vais fuir le combat et je vais aller aider l'autre, là. » Mais bon, au final, ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, eh ben, il est là, puisque le petit Tenya, il va réussir à l'appréhender. On sait pas encore s'il va réussir à l'emmener dans la prison, là, mais il y a quand même de fortes chances pour que ce soit le cas. Et de l'autre côté, eh ben, t'as le méchant, enfin le méchant, le gars de la classe B, qui va lui dire « C'est pas des manières de faire, il faut arrêter le meilleur. Tu sais très bien que le meilleur dans l'équipe, c'est Mudman. Et Mudman, il va te poser une énorme galère pour ton équipe. » Il faudrait que tu l'appréhendes en premier plutôt que moi. Et il dit, c'est vraiment l'âge de ta part de faire ça. Et l'autre, il dit, non, c'est ce que Ingenium aurait fait, c'est ce que mon frère aurait fait. C'est marrant de voir à quel point, bon, c'est normal, c'est encore tout récent, hein, mais à quel point il est attaché à cette identité d'Ingenium qui était le pseudonyme de son frère à la base. Et il a décidé, en fait, de reprendre les rênes tout simplement. Et visiblement, il fait tout en fonction de son frère. Il se dit à chaque fois,
qu'est-ce que ferait mon frère s'il était à ma place dans cette situation-là? Moi, je trouve que c'est sympa, c'est rendre hommage à une personne qui ne peut malheureusement plus se battre, et de la plus belle des manières, même si on sait pas trop si à la fin ça va lui être préjudiciable ou pas, mais en tout cas, ça part d'une bonne intention. Et de l'autre côté, on va revoir après Shoto qui se bat contre l'autre, là, qui est juste hyper balèze, tout simplement. Il arrête pas de lui balancer des attaques de froid, l'autre, il en a rien à faire, il arrive à résister à toutes celles-là, et puis après, Shoto, il se dit, bah, si t'arrives à résister au froid, je vais m'attaquer au chaud, et ben même résultat, le mec, il est tranquille. D'ailleurs, il dit lui-même que s'il a décidé d'affronter Shoto, c'est parce qu'il sait que ce soit le froid ou le chaud, ses attaques ne lui font absolument rien. Et au passage, je vais dire un petit truc sur le dessin, mais je trouve que ce personnage-là a un chara-design super bien fait, ou alors c'est juste la façon dont il est mis en place à chaque fois par le dessinateur, là, qui est vraiment excellent, mais je trouve que toutes les planches où on voit Shoto déjà, enfin ce combat-là en lui-même, que ce soit Shoto quand il balance la glace, ou le feu, ou même les réactions et le chara-design de ce personnage-là quand il se fait attaquer, tout est super stylé. Autant je suis pas toujours convaincu par la mise en scène des combats avec cet auteur-là, autant je trouve que sur celle-là, c'est quand même brillant, hein, honnêtement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et je pense d'ailleurs que on va avoir un combat final, entre guillemets, où ils vont tous se rassembler ici, parce que quand on regarde là, eh ben, il y a Mudman qui est censé rejoindre ce mec-là, alors que pourtant, quand tu vois le descriptif que le mec met, ça a l'air d'être le mec qui va être le moins en difficulté, puisque il a l'air de maîtriser son sujet. Il sait d'avance qu'il ne craint rien contre Shoto. Donc je comprends pas pourquoi Mudman va l'aider lui, à moins qu'il était convaincu que les autres auraient pas besoin d'aide, mais c'est un peu chelou. Mais là, on va avoir un combat avec les deux, là, enfin, en deux contre deux, à mon avis, parce que Shoto, il va être en galère, l'autre, il va le rejoindre, là, avec sa super queue, et puis Mudman va aider son pote, du coup, il va falloir que Tenya rapplique pour l'aider, et je me demande ce qui va se passer du niveau de l'anglaise, là, parce que celle qui balance ses soi-disant cornes, là, on la voit plus, là, depuis quelques temps. Est-ce que c'est moi qui ai pas fait gaffe et elle s'est fait emprisonner sans que je le sache? Mais je crois pas du tout. Je pense qu'elle est encore sur le terrain. Maintenant, on va savoir où. Mais en tout cas, on va avoir un combat final qui va tous les opposer, ou presque, en fait. Si t'enlèves le mec qui a les mains en perceuse, là, et peut-être le dernier protagoniste de la classe A qui était avec eux. Mais je trouve que là, on va avoir... Enfin, j'ai l'impression, en fait, que le combat, il a pas spécialement avancé. Ce qu'on a vu avant, c'était intéressant. Là, même ici, hein, on a vu quand même le power-up de Tenya, que je trouve vraiment très intéressant, enfin, en tout cas, il est bien amené, et comme j'ai dit, c'est pas un bête power-up, genre, je disparais, je réapparais au bout de deux jours, et puis j'ai un power-up. Là, on a vraiment l'impression qu'il a eu quelque chose qui l'a rendu plus puissant, et on le voit à l'écran, et ça, ça fait vraiment plaisir, enfin, à l'écran, sur le papier, mais ça fait quand même super plaisir, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, parce que, à mon avis, là, quand je regarde les forces en présence, je pense que le temps que Tenya revienne, il aura perdu les 10 minutes, donc il n'aura plus son super pouvoir. Et malheureusement, j'ai l'impression que Shoto, il est en grande difficulté, et je vois pas vraiment comment agir contre lui, là. Enfin, je vois pas comment il pourrait renverser la vapeur, tout simplement, parce que ils ont tous été emmerdés par le pouvoir de Mudman. La seule personne qui a réussi un tant soit peu à tenir, c'est Tenya, et son super pouvoir, là, eh ben, il l'aura pas éternellement, comme je l'ai dit, là. Les 10 minutes, elles vont être finies. Et là, je pense que Mudman va réussir à reprendre, à prendre l'avantage à nouveau, hein, comme tout à l'heure, sauf que cette fois, bah, il y aura pas Tenya pour agir, pour réussir à le battre. Et je me dis donc, du coup, que là, la classe B, elle est avantagée à mes yeux. A mon avis, je pense que c'est même eux qui vont gagner ce fameux combat. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment vous pensez que ça va finir, tout simplement. Mais là, je pense que c'est mal engagé pour la classe A. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier la dernière page du chapitre qui explique en gros que Endeavor, il a parlé à Shoto d'un pouvoir, enfin d'une capacité spéciale qu'il pourrait avoir s'il se lâchait vraiment. Et je pense que à l'image du chapitre qu'on a eu là, qui était centré sur Tenya avec... celui encore d'avant où on voyait la dernière page où il y avait Tenya qui allait prendre ses responsabilités et agir, là je pense que c'est ce qui va se passer pour Shoto. Shoto il va claquer une attaque, à mon avis qui va surprendre tout le monde, hein, dont le mec qui se la raconte et qui dit que ses attaques l'atteint pas, et qui à mon avis, cette fois-ci, vont finir par l'atteindre. En tout cas je me demande vraiment de quoi il s'agit, mais j'imagine que c'est un truc quand même hyper balèze, et j'imagine très bien que c'est peut-être cette fameuse technique spéciale dont on parlait Endeavor, qui a causé la transformation, en fait, physique, si je puis dire, du mec qui s'appelle, je crois que c'est un crématorium ou un truc comme ça, là, le méchant, là, parce que je suis toujours convaincu, là, depuis quelques scans déjà, que crématorium, eh ben, c'est tout simplement le fils d'Endeavor, lui aussi, qu'il a essayé d'utiliser cette technique spéciale et que ça s'est mal goupillé, et que du coup, bah, c'est devenu un vilain pas beau, et que maintenant, bah, il est méchant, tout simplement. Et je me dis que là, Shoto, il pourrait être le premier gentil à pouvoir vraiment maîtriser cette technique. Peut-être que ça va être le coup des flammes bleues, en fait, comme fait un crématorium, tout simplement. Hein. On verra ça, à mon avis, au prochain chapitre, et j'ai vraiment
hâte d'y être parce que même si c'est vrai que ben il n'y a pas d'enjeu spécifique, hein, là on est juste dans une sorte de petit tournoi amical entre les deux classes, même si c'est plusieurs types, enfin, plusieurs groupes par classe différentes, mais c'est quand même au final l'affrontement de la classe B face à la classe A, hein, quand on y réfléchit bien. Et je me dis que c'est quand même un bon moyen de montrer les différents power-ups des protagonistes, que ce soit ceux de la classe A ou la classe B, et je suis vraiment content de pouvoir voir ça en détail, comme je l'ai dit, et pas juste que ce soit balancé, genre au fait ils se sont enfermés 2 jours à s'entraîner et puis ils ont eu ça comme résultat. Je suis content de pouvoir l'observer visuellement. Ça, c'est vraiment une très bonne chose dans My Hero Academia et que beaucoup de shonen devraient reprendre. En tout cas, moi je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, commentez, hein, que ce soit pour me dire si jamais je dis des bêtises. Hein. Comme je vous ai dit, je suis pas encore familiarisé énormément avec les reviews de scan de My Hero Academia, surtout qu'il n'y a que 14 pages ou 13 pages en général à chaque fois. Ça me fait toujours peur de faire sur un truc aussi court, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et rajoutez des choses si vous pensez que j'ai oublié certains trucs. Moi, je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !